Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Et on se retrouve dans une vidéo en direct avec Madame Toilette. Madame Toilette vous dit bonjour, voilà. Vous le voyez pas avec son bandeau sur le visage, mais elle vous le dit, vous inquiétez pas. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décorer la chambre de Madame Toilette parce que sa chambre, c'est pas terrible terrible, hein. Du coup, on va modifier sa chambre aujourd'hui en essayant de faire une chambre très très belle, des toilettes très 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 sympathiques. On va changer l'arrière-plan déjà, ça va pas. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas quoi mettre, je n'ai pas. Oula, il y a quand même pas mal de trucs, hein. Est-ce qu'on peut faire genre comme ça? Ok, on va essayer de trouver un arrière-plan sympa. Wizardry, c'est sympa. Pour des toilettes, ça passe. Oh, quoique pour des toilettes luxueuses, Winter Palace Wallpaper, ça passe, hein. Bon, on va voir là. Sous l'océan! Sous l'océan! Ah, ça c'est 15, ça. Illuminati, tout ça, tout ça. Alors, non. Donc, je pense que le plus intéressant, ça reste le palace, le Winter Palace machin, là. Ouais, ça fait épilepsie des yeux hein, quand on switch comme ça. Lol. Il y a des trucs qui font vraiment peur. Ce serait bien pour Halloween, quoi. Ouh. Ça, faudrait que je mette chez Quinzel pour changer. De toute manière, je pensais refaire la chambre de Quinzel. Le problème, c'est que je lag trop avec Quinzel. J'arrive pas à faire sa chambre. J'arrive pas à nourrir les pet-pets. C'est compliqué. C'est difficile. On ne s'en sort pas. Lol. Ça, c'est sympa. En plus, il y a un petit lavabo derrière après pour se laver les mains. Mais bon. Pas non plus convaincue, on va dire. Je ne suis pas convaincue. Madame Toilette non plus, elle me dit, elle me paie un petit message à l'oreillette. Elle me dit, non, pas ça, Quinzel. Continue à scroller. Pour l'instant, on n'a pas encore eu notre coup de cœur. Mais si ça continue, ce sera pour le Winter Palace. Ça fait l'épilepsie. Bonjour, boîte de night. Attendez, ça c'est sympa aussi. Show dog. Ça c'est sympathique. Ça j'aime bien également. Là, je pense qu'on va rester sur le show dog. Celui-ci. Ouais, avec ça. Avec ça, je valide. C'est mine plus beau que chez Quinzel en vrai. Ok, donc déjà on sauvegarde comme ça. Mais c'est pas fini. Puisque nous devons ajouter des objets. Nous devons ajouter des... Bah tiens, on va ajouter ça. Alors qu'elle est pas du tout VIP en vrai. Hein. Elle n'est pas du tout VIP. Et voilà, nous y sommes. Les toilettes. Les toilettes qu'on adore tant. Voilà, puisque... Ah, c'est parfait. On adore. Comment je fais pour... Ah, où est-ce... Ah, il est là. Comment je fais moi pour mettre la toilette là-haut là, wesh. Alors attendez, il n'y a plus de toilette derrière, donc on peut mettre d'autres choses. Une petite gamelle, tiens. Si on soif. Madame Toilette, elle a pas compris que les humains ça boit dans des verres. Elle a cru que ça boit dans des gamelles. Lol. Là, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Des mouches. Bah oui, forcément. Puisque quand il y a du caca, il y a des mouches. Merci, bonjour. Oh mon dieu. C'est tellement glauque. Ouais, bah écoutez. Voilà quoi. Attendez, si on peut mettre une lumière. Voilà, deux petites lumières, ça devrait suffire. Il va falloir que je change quand même quelque chose. Ouais, il va falloir que je change quand même une chose. C'est de pouvoir mettre les trucs à droite, là. On va pas mettre deux fenêtres.
dont les gens ils ont envie de déféquer dans leur intimité. Ah voilà. Là j'ai tout le périmètre de libre. Faudrait que je mette un truc entre les toilettes, sorte de petit paravent pour pas qu'on voit à travers quoi. Au pire les deux toilettes on les met là, ça sera genre les toilettes pour les enfants. Et là on a les toilettes pour les adultes. Bon c'est un peu près... Je pense que c'est un peu près droit. Et là on va mettre... ici une lumière vers ce côté là et une lumière vers ce côté là. La petite gamelle pour boire juste ici. Et les mouches. Et les mouches. Mais attendez, j'essaie d'en mettre une ici, voilà. Une petite mouche par-ci, une petite mouche par-là. C'est dommage qu'on ne peut pas retourner, parce que là, les mouches, elles vont toutes être tournées du même côté. Berk. Je savais pas qu'un jour, les mouches me serviraient à quelque chose. Mais là, aujourd'hui, elles me servent à quelque chose. Voilà, des petites mouches. Et bah écoutez, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Faudrait que je rajoute des toilettes ou... Ça va, au niveau des toilettes, on est bien, en fait. C'est peut-être plus au niveau de la décoration. Mais je suis assez contente de ce qui a été fait. Elle a quand même 410 lovites, hein, cette chambre à Madame Toilette. Hein. Elle a 410 lovites. Elle est contente. Oh, j'adore. Oh mon Dieu, regardez, c'est magnifique. C'est très très beau. Elle ouvre son propre salon de défécation, son salon de toilette. Si vous êtes de passage, bien sûr les toilettes sont pas gratuites, hein, parce que forcément Madame Toilette faut qu'elle se fasse de l'argent. Et voilà, elle se cache derrière les toilettes. Est-ce qu'il y a moyen de se cacher derrière une toilette? Bonjour, je suis une toilette. Bonjour, bonjour. Alors, animation. Quel genre d'animation? Un peu farfelu, exalté Barjo. Bonjour, je suis une toilette. Aidez-moi, s'il vous plaît. On a fait un gros popo et ça veut pas passer par le tuyau. J'arrête mes bêtises, mais... Ah! Pourquoi ça enlève l'animation? Pourquoi ça enlève l'animation? Voilà. Ah non, elle a essayé de se cacher, cache-cache dans les toilettes, elle a pas réussi. Il y a toujours une petite touffe qui dépasse, mais je crois que ça va être compliqué. Et là, c'est quoi? Ah, c'est... elle est en train de pleurer, je crois. Elle est en train de pleurer. Non, non, je suis désolée, Madame Toilette, quoi que tu fasses, t'arriveras pas à te cacher, on n'y arrivera pas. Ça ne passe pas, c'est tout simplement comme ça. Même si elle s'accroupit, il n'y a pas moyen de se cacher. C'est quoi ça? Oh, 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 oh oui! Ah oui! Prout, prout, prout! Du pipi! Le petit poulpe. Ah, attends. Ah, ça me dirait qu'elle l'a sorti des toilettes. Oh, un petit poulpe qui est sorti des toilettes. On a fait un petit peu le tour, je pense, des pauses. On a fait un petit peu le tour de la chambre. Je vois pas ce que je pourrais ajouter d'autre. C'est pas mal comme ça. Drinking tea. Ok. Là c'est bon. Écoutez, Oh, je clique à côté. Amour. L'amour des toilettes. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle s'est téléportée à côté, lol? Et fête et mode. Ah voilà, il y a des petites bulles qui sortent des toilettes. Ça c'est bien. Ça, on est d'accord. Et une petite licorne. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Alors je pense par la suite lui rajouter des boonies. D'ailleurs, tiens, on va juste regarder est-ce qu'il y a des boonies qui pourraient correspondre à la thématique de la chambre. Mais elle a pas assez d'argent, je pense. C'est pas là-dedans qu'il faut aller, je crois que c'est dans les pets. Mais elle a pas assez d'argent, je pense, pour ça. Ça convient les moins chers des boonies. Mais il faudrait que ce soit des boonies qui correspondent. Genre, ouais, celui-là, ça va, tu vois. Genre, on dirait un monstre sorti des toilettes. Mais sinon, on va aller là-dedans. On va regarder un petit peu. Les prix, c'est cher. Hein. Ah, les boonies toilettes. Les boonies un peu genre... oh, c'est sympa. Ça peut faire genre, ils sont sortis des toilettes, quoi. Celui-là, il a 25 diamants. Mais c'est cher quand même, hein. Elle a pas assez de toilette monnaie, hein, la Madame Toilette, quand même. Hein.
n'a pas assez de monnaie toilette. 500. Écoutez, 500 au pire, on prend des comme ça, mais même en prenant des comme ça, on n'a pas assez. Il faudra au moins 5000 Star Coin en tout pour ça. Faudrait au moins. Bref, je pense que ça, je réglerai une autre fois l'histoire des bounis. Pour l'instant, la chambre, elle est faite, elle est prête, on tourne dedans pour vous la montrer une dernière fois. Moi j'aime bien, je la trouve simple, mais voilà, on a compris. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à y faire un petit tour, c'est le musée de la toilette. Et bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à vous, portez-vous bien, ciao ciao.